Allez, beurre, beurre, ami barbare, et bonjour à toi YouTube, on se retrouve dans Pioneers of Bagonia. On a démarré l'épisode précédent de ce live. Hop, on a démarré dans les bêtes de la brume. Les bêtes dans la brume, on va recharger notre partie. Clac. On a sauté toutes les autres maps, puisque je les ai fait en off, il n'y avait pas d'intérêt particulier, c'est du tuto. Et là, on va se marrer. On a repéré deux colonies de Pagonia. On a également des brigands par là. Il y a eu quelques morts. Bon, c'est vrai que j'ai fait quelques rangers. Ils se sont tous sacrifiés. C'est pas grave. On a fait des bébés. Et il en reste trois à éliminer. Brigands d'élite. Ah, vétérans et vétérans. D'accord. Ça ne rigole pas. Alors, pour faire des vétérans un peu plus évolués, on va essayer de faire un peu du fer, tout ça, et crafter des défenses. Bonjour à toi, Soren, bienvenue sur Pagonia. T'as juste loupé un épisode où j'ai installé la colonie. Et où j'ai déjà un chasseur. Je pourrais en faire un deuxième. Pour faire des rations, évidemment, pour tout le monde. Alors, par ici, il y a quoi? On a tué un petit camp, justement. Là, ça va. Écoute, on va installer le chasseur là. Et est-ce que je fais encore une garnison? Peut-être pas. On va avec les tours de garde. Pour l'instant, on est cool. Ça coûte pas cher. Si on a un vrai problème, après, on se posera la question. C'est parti. Et mon café est frais. Voilà, le tech est opérationnel. Ordre de recrutement terminé. Académie militaire en attente de nouveaux ordres. On n'a qu'une lance de dispo. On fabrique peut-être pas assez de bois encore, pourtant. Les bébés, c'est reparti. 211 porteurs, 212 porteurs, c'est cool. Alors, on va se poser la question pourquoi. On a ce qu'il faut en stock. Hein. Après, c'est vrai qu'on aurait besoin de cordes pour faire des arcs de chasse. On va en faire un petit peu, on va se faire quelques rouages. On va continuer, et même on est bête, on va pas le faire ici. Celui qui fait les torches pour le ranger, mon autre atelier de menuiserie ici. Alors les rouages, ça servira plus tard. Est-ce que je ferai pas quelques boucliers en bois? Voilà. Alors on va reprendre l'option minage. On a une baraque à cuivre ici, c'est bon. On n'a pas encore de fer. Alors je prends la baraque à fer et je regarde si j'ai du fer dans le coin et rien. Apparemment, ici c'est non. Ah, on a un peu de fer ici. Bah voilà. Ah, du coup, on va peut-être mettre une fonderie avec le fer. Attends, c'est un bûcheron. Voilà, on va mettre une fonderie et on va mettre un petit lieu de stockage. Donc les plus gros entrepôts, ça viendra début 2024. Et si on peut stocker du charbon, ce sera cool. Des brigands attaquent. Oui, ben, on a toujours les mêmes. Est-ce que ici, ça s'est remis? J'ai à nouveau 4 gardes et quelques rangers. La boutique de tailleur, on continue à faire les armures en cuir léger. On manque de torches, hein. On va accélérer le temps. Voilà, je vais pas infini, je devrais. Hein. Et donc ici, le marché est plein. On a trouvé du cuivre, on a trouvé de l'argent, on a trouvé du fer. Là-bas. Là-bas, ah oui, d'accord. Un camp ennemi ici. Bah, c'est le même. Et là, hélas, nos frontières vont arriver au bord du camp. Donc ils vont s'insinuer chez nous pour voler des ressources. Et ils ont tué mon garde! Eh ben voilà, t'approcheras pas tes bornes. Mais c'est un élite? Non, c'est un vétéran. Mince. Zone de patrouille par ici. Hein. N'allez pas trop loin, les gars. On a du fer, on a du charbon.
L'argent n'est pas utile pour l'instant. Ah, c'est vraiment la dèche. Et par là, on a un peu de fer ici. Je regarde un peu. Ah oui, on s'était mis là. Écoute, on va reprendre ici. On va gratter tout ce qu'on peut. Hein. Voilà. Une première fonderie ici. J'en ferai bien une deuxième. Et là, on a quoi? On a de la pierre, du charbon. Écoute, on a un premier camp là. Et vers les Pagonias, je mettrais bien... Bah là, il n'y a pas de danger. On va juste mettre une petite caserne. Voilà. Là, ça baigne. C'est ok. On va exploiter le charbon. On a un tout petit peu. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment des résidus, hein. Bon, on va les prendre. Ça, c'est ok. Côté caillou, comment ça se présente, les amis? On a 36 bornes de frontière, 80 pierres, 120 pierres de taille. Je pense que ça va. On n'a pas de calcaire, hein. Pour des bâtiments avancés, on verra. Alors si je peux mettre des tours pour protéger la frontière serait inexact, mais les brigands peuvent s'infiltrer et nous voler. Donc j'ai configuré mes tours ce matin. J'ai demandé que 5 gardes. Là il n'y en a que 4, il en manque 1. Et j'ai demandé 5 rangers. Moitié-moitié. Ce qu'on va faire, on va préparer nos troupes. Pour remplir une garnison. Elle est où? Alors attends, je reviens là dans expansion. On a donc l'académie militaire pour recruter. La garnison, ce sera la grosse qu'on va poser près des ennemis. Et là, on va mettre un camp militaire pour stocker nos unités. Est-ce que je peux faire un camp? Voilà, on va mettre un camp militaire ici. On va stocker nos troupes. On va revenir vers les fonderies, comme tout va bien. Est-ce que je peux construire maintenant? Alors, l'outilleur, je vais en avoir besoin. Est-ce que j'en ai un d'outilleur? Non. Zéro. Ah, j'ai pas la place, c'est dommage. Ici, j'ai du gibier, ça m'embête. Écoute, on va mettre l'outilleur, on va s'en souvenir. Pas trop loin. On continue l'académie militaire. Donc, pour avoir des gardes vétérans, ce sera des lances en fer et des côtes de maille. Ça coûte cher. De simples soldats, épées en bronze et boucliers en bois. Ça pourrait être bien. Des voleurs vous attaquent. Ah, mais ils ont carrément dégommé tout le monde, là. Voleur rusé mort, mais j'ai perdu... Ah oui, attends, ça, c'était un voleur rusé déguisé en ranger. Deux rangers de mort, 3, 4. Ah, ils sont en train de massacrer tout le monde là. On va les aider en patrouille, hein. Mon ranger a vu le voleur. C'est bon. Mais c'est qu'il y en avait un autre. Ça peut être le brigand d'élite qu'on a vu dans le camp. Donc là, on a protégé la frontière. C'est pas mal, hein. Ah non, c'est qu'ils produisent des voleurs. Ça, c'est quoi, ça? Un garde. Et oui, déjà des morts. Bonjour à toi, Canton 51. Ouh, quel plaisir de te voir. Pioneers of Pagonia. Donc là, on a préparé, on a un campement de chantier pour construire la zone après, avoir des porteurs, des foreurs, des bâtisseurs. Et on va faire justement avec notre outilleur, on va bosser tout de suite. On revient vers notre bateau, la halle des guildes. On manque de rien. J'ai des pelles, des marteaux. On va recruter 10 foreurs. Porteurs de chantier, on va en prendre 10. J'ai déjà des sacs. Le commerce, on n'y est pas. Bâtisseur, allez hop, 10 encore. En menuiserie, je refais encore des lances. J'ai presque envie de dire...
pas infinie pour l'instant. J'ai 15 lances. Allez hop, on va recruter une quinzaine de soldats. Et on va réaccélérer un chouïa. Camp détruit. Super. Attends, mais pas celui-là. Il va y avoir un autre camp dans le coin. Ça bosse, ça bosse. On revient vers notre guilde des aventuriers. Ouais. J'ai assez d'armure en cuir. Et au fur et à mesure qu'il y a des torches, on fait les aventuriers, des rangers. C'est bon. Et bonjour à toi, Alex Cord. Bienvenue. Oh, mais il y a du bon qui arrive. On se lève ce samedi matin. Donc, il s'agit de la cinquième map de la cinquième campagne. Et on a pris celle des bêtes dans la brume. On ne sait pas trop. Là, pour l'instant, on a juste trouvé des brigands. J'ai encore... Allez. On va dire une trentaine de gardes. Et on va voir si ça se stack, du coup, ou si ça va dans les petites tours qu'on a construites. Et j'ai encore personne dans le camp militaire. Ah, bah voilà. Le camp a été détruit. Victoire. Bon, on a nettoyé la zone. Ça, c'est bien fait. Alors, le jeu, d'après ce que je vois, le lac est un obstacle. On a deux colonies. On va pouvoir commencer à faire du commerce. On a nettoyé tout ça. On va voir ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a un camp de brigands dans le coin? Non, c'est la bonne nouvelle. On a fini nos premières batailles. Alors, si vous entendez des chats chanter, ne vous inquiétez pas. Le sapin de Noël est installé aujourd'hui. Ils sont heureux. Tour de garde ici, j'ai laissé que 10 gardes simples. Parfait. Les fonderies tournent à bloc. Puisqu'on a trouvé un peu de fer, donc pas beaucoup. Hein. Ok, et là on stack du coup des rations, du bois. C'est pas suffisant. On va ralentir un peu la course, on a trouvé de l'argent. Alors on va demander à un fabricant d'armes. S'il vous plaît. Hop, on va le faire là à côté des lingots. Ça tombe bien. Et un fabricant d'armure. Justement, à côté aussi. L'artisan forgeron, c'est si on trouve des gemmes précieuses, émeraudes et rubis. Ça, je ne sais pas. J'ai pas encore trouvé. Et puis, ce qu'on va faire, puisqu'on est bien ici, un peu de stock. Encore. Voilà, je mets tout ça devant. On va mettre un stock devant chaque fabricant. On verra si ça stack. Et la chose qu'on n'a pas encore fait dans cette partie, ce sont des fermes. Et c'est vrai qu'avec du pain, ce serait un peu mieux. Est-ce qu'on a un territoire qui est un peu plus avenant? Alors, produits alimentaires. On va prendre la terre arable. Ici, on a quoi? C'est bon pour les céréales et pour les citrouilles. Rendement bon aussi pour le reste, sauf pour le lin. On va commencer par faire du coup une ferme maraîchère. On va la placer là. On va poser le petit chemin qui va bien. Et évidemment, il faudra arroser tout ça. Donc, un petit puits. La terre donne de l'eau, c'est bon. Et là, on manque de quoi, du coup? De foreurs. On va laisser venir. Mais je ne vais pas faire de camp d'ouvriers ici. On va se développer doucement. Et on va lui demander, du coup... Ça, c'est pour alimenter le marché et faire d'autres bébés. Donc, on va faire 15 champs. 3, 4, 5, 6... Ah, j'ai mis celui-là. Attends. Et après, la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de faire un autre village avec taverne et marché? Non. Un seul suffit. Deux, vraiment, s'il y a vraiment des morts, beaucoup. Mais ça se passe bien. Il veut pas, hein. Bah alors? Non. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et puis 15. Voilà, on a notre future ferme maraîchère. Là, c'est bon. Ici, nos soldats, ils sont bien arrivés. Ça, c'est cool. Et alors, nos factions construisent une baraque à argent. Prennent un gisement d'argent pour accroître la richesse de votre colonie. Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai fait de mine d'argent? Pas encore. Après, on va revoir un peu s'il y a des mines d'argent dans le coin. Ah bah oui, regardez. On a un peu d'argent là. Et on va se connecter du coup à la cour, c'est bon. Et comme la zone est à peu près safe, en entreposage et commerce, on va donc faire la trésorerie. Est-ce qu'on peut la ramener près du cœur du royaume?
Est-ce que je peux mettre ma trésorerie ici? Non. Là, je touche pas, c'est la forêt. Hein. Alors, on est pas mal. Ah, ici, j'avoue... Voilà, on va mettre la salle de trésor ici, la première. Très bien. Et nos explorateurs, du coup, maintenant qu'on a tout nettoyé, est-ce qu'ils peuvent aller voir ce qu'il y a en face? Voilà. C'est bien, on se développe vraiment bien. On va même faire une sauvegarde, puisqu'on a pas mal géré, on n'est pas mort, on n'est pas bloqué. Cinquième campagne. Et on revient au jeu. On va accélérer un poil. Comment ça se présente ici? On recrute au fur et à mesure, c'est bon. Si je regarde le plastron, 60 d'affectés, aucun manquant. Alors là, doucement, vous avez trouvé du cuivre, du pierre, charbon, argent, charbon. On a découvert la chambre des négociants d'une autre faction. Ah bah très bien. On a trouvé sa chambre, la Valila. Et eux, ils nous demandent quoi, du coup? Approvisionner un hameau avec des citrouilles. Il faudrait aussi des pioches et du pain. Ils sont mignons, eux. Ils sont juste là. Où on a fait nos baraques à argent. Et là, on a du charbon. Comme ici, on fait les fonderies. On va continuer la trésorerie. On va reprendre ça, quand même. Voilà, l'hôtel des monnaies. Est-ce qu'on peut faire un hôtel des monnaies par là? Ça serait super sympa. Non, il veut pas. Écoute, on va faire l'hôtel des monnaies derrière les fonderies. Et hop, le placement, c'est un bonheur ce jeu. Voilà. Côté baraque, on va continuer à se développer. On va regarder, on a quoi? 94 pierres. Pierre de taille 119, équilibré. Côté bois, on est bien. On manque de bois tendre, le bois dur pour les lances. On va peut-être faire des maisons ici. Donc pas besoin de taverne ou autre, hein. C'est vraiment, il faut pas oublier, vous le faites juste au départ. Ça devrait suffire. On va aller dans population. Et on a quelques poutres de dispo. Et je voudrais voir, attends, c'est quoi? Ce ne sont pas des plantes précieuses. Ben on va s'installer dans le coin. Allez. On fait une ici. Ah, si on peut installer les 4 grosses maisons, c'est 25 habitants quand même. Chacune. Yes. Porteurs vivants ici, ils peuvent se reproduire, avoir des... Enfin, quand ils consomment des plats réconfortants à la taverne. Sachant que moi... J'ai juste fait là où se débarque le bateau, mes petits cottages. Voilà, ils mangent et ils font des bébés. Hein. Ils sont heureux, le marché marche très bien. Il sert qu'à ça, le marché. Et c'est cool. Ah, puis c'est pas mal vivant. Bien! On a découvert au loin, on voit des spots. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un lieu mystérieux qui demandera justement des pioches et du pain. Merci à mes explorateurs. Et au loin, là-bas, on a découvert un hameau mystérieux qui demande des citrouilles. Ce sont des choses à apprisonner, à approvisionner. Oh punaise, le texte ce matin. Ayez pitié. Comme ça, on va augmenter notre réputation auprès des Valila. Et quand ils seront contents, on pourra les intégrer à notre colonie. Ok. Mes explorateurs, je les ai envoyés où? Tiens, je ne sais même plus où est mon explorateur, donc je clique sur exploration expansion et je vais faire bouton droit sur la hutte. Ils sont là. Bah écoute, on va les envoyer ici. Mais là, je devine qu'il va y avoir des problèmes. Non, ça a l'air d'être la colonie voisine. Ça me semble bien. Alors, fabricant d'armure, fabricant d'armes, voilà. Est-ce qu'on a des lingots de fer? On a 29. On va faire une dizaine de lances en fer, une dizaine d'épées en fer.
jusqu'à une vingtaine de lances. C'est parti pour eux. On est bien. Notre petite ferme maraîchère va se développer. Ici, on ramasse le charbon. Et du coup, ici, ça commence à être intéressant puisque la colonie Pagonia, elle est là. Ah ouais, elle est là. Il y a un accès plus direct ici. On va commencer à s'intéresser à eux. En faisant un comptoir commercial pas trop loin. Et on va également mettre un camp de marchands. Donc ça marche par 25. Voilà. Et pourquoi pas des entrepôts d'objectifs? Ça pourrait être sympa. On va voir comment ça marche, s'ils veulent bien ou pas. Je vais mettre ici. Bon, ce qui nous manque, c'est du pain. Hein. Alors on va préparer ça. On va taper la touche V. Hop, on revient au bateau, c'est super. La halle des guildes. Alors, est-ce que j'aurais par hasard mes 25 porteurs de commerce? Non. Il va falloir des sacs à dos. Et j'en veux 25. Ok, on va donc aller au tailleur. Si vous avez des questions en gestion, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Les armures, on en fait encore plein. Ça, c'est bon. On manque pas grand chose. Il reste plus qu'une pelle, par contre. On va peut-être refaire des fossiles, des pelles. Et notre outilleur, du coup, on l'avait installé par là. Hein. La trésorerie est là. On n'a rien pour l'instant. Elle se construit. L'outilleur est là. Bien! Alors, l'outilleur. On va faire une vingtaine de pelles. Une vingtaine de fossiles, ça servira. Une dizaine de pioches. On va peut-être développer la chasse. Un peu de... Ouais, un peu de tout. Voilà, on va le laisser là-dessus bosser. Voilà. Alors, regardez-moi cette foule, mais calmez-vous les gens. Ah, la vue de dessus est terrible. Est-ce que ça bouchonne? Parce qu'ils sont en train de remplir les stocks, en fait. Je me sers jamais de la vue de dessus, mais c'est assez fandard. Écoutez, je suis admiratif, je vais prendre mon café en regardant ça. Le jeu est fluide, hein. Franchement, je l'ai poussé un max dans les autres maps. Je me suis bien éclaté. Et il se passe quelque chose! On a signé un traité d'amitié? Comment ça se fait? Étendre au territoire. Ah, c'est un des objectifs cachés. Donc, il y a eu des feux d'artifice en accéléré. Ah, mince, je vous ai loupé ça. Ok, hors de recrutement terminé. Du coup, on est à 135% pour la mode albâtre. Il faut qu'on continue. Et eux nous demandent, il y va des ressources, 13 lames en argent. On n'a pas encore d'argent. Hein. On va bosser là-dessus, du coup. Ah, mais ça construit. Hein. Les résidences, ça se développe. Résident inactif. Ah oui, d'accord, il y a un problème. Je vais voir ce qui se passe. Le marché est bien plein. La fontaine marche. Et ici, les gens mangent. Bon. Est-ce que je recrute trop de troupes? On va laisser gonfler un petit peu. On va laisser se reprendre toutes ces maisons. Il faut aller mollo dans le recrutement. Si je recrute trop fort, j'ai plus de nouveau-nés qui peuvent faire autre chose. Et les porteurs vont manquer. Et ça va qu'elle. Et là, ça remonte. Ça y est. Je pense qu'il y a trop de construction. C'est le nouveau quartier. On se croirait à Dinard en Bretagne. Regardez-moi tous ces manoirs qui s'installent. C'est une honte. Ce bonheur absolu. Oh là là. Un voleur déguisé. Comment ça, un voleur déguisé? Tour de garde. On va mettre des rangers. Allez. Là aussi. On s'est fait avoir. Il y a un camp? Par là? Pareil, on va diviser. J'ai pas été assez prudent. Donc mes 5 gardes rentrent à la maison et on va attendre les rangers. Parfait.
Étonnant. Donc là, on peut avancer jusqu'ici. Pareil ici. On va pouvoir faire du coup un comptoir commercial. Et on va se faire un petit campement de marchands. Et on va connecter. Et il faudrait quand même une caserne pour protéger, parce que s'il y a des voleurs. Est-ce que j'ai la place? Ah, j'ai la place! Pour défendre un peu tout ça. Ah bah Dinard, c'est très joli, hein! Dinard, où on voit en face Saint-Malo. D'ailleurs, pour info, je serai à Saint-Malo ce soir. Bonne chance pour me retrouver. On va faire le marché de Noël là-bas. Alors, Guilde des Aventuriers, c'est fini pour les Rangers. On a tout recruté. On est bien remonté, voilà. Président inactif, c'est bon. J'ai une petite frayeur. On n'a pas grand-chose en torche. On a une menuiserie, il m'en fait encore plein. Boiserie, bois dur, ben, on est bien. On va demander plein. Et tu as encore 16 armures légères, allez. On va en recruter 15. Hop, Ranger. Ça marche. Ça va alimenter. Bon, on gère bien. Au niveau des gardes, comment ça se présente? Vous avez trouvé du fer, cool. Ah, super cool. Et là, qu'est-ce qui se passe? La baraque à fer. Aucune ressource à récolter. On va la détruire. Pourtant, il m'a dit qu'il a trouvé du fer. Alors, par ici, rien. Par contre, la bonne nouvelle, ici, on peut cueillir. Ah bah, écoute, on va s'installer. Il y a des champignons, il y a tout. Ça sera utile pour faire des enfants. Ah ouais, non, sérieux, t'es là, comme ça? Ok, bon, bah, écoute, voilà. Et ici, on a une grande lagune de sable. Pareil, on pourra faire des maisons tranquillement. Et je suis en train de me dire que finalement, ça serait pas bête d'amener un campement de chantier. Parce que, vu tout ce qu'on construit, il ne veut pas se mettre là. Vous avez révélé un voleur. Des voleurs vous attaquent. Ah, mais c'est l'endroit que j'ai pas trop protégé ici. Ah bah écoute, on va péter une garnison. On va s'installer par là. On a vu les troupes qui bougent du campement. Et on va mettre ici la garnison. Et là, on a l'autre colonie. Où est la frontière? Ah oui, les bandes sont rendues là. Et j'avais pas fait gaffe, mais ça a l'air assez riche par ici. Ça a l'air très intéressant. Est-ce que par hasard... Du fer. Il y a du fer! Voilà. Ça, on valide. Est-ce qu'il y a du cuivre? Un peu. Oh, que c'est bien. On va mettre le cuivre ici. Est-ce qu'on a du charbon? Et on a du charbon. Alors, la gestion des routes, tout ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, on va installer nos autres forteresses, on va les laisser faire. Et comme on a à côté notre caserne, ça y va tout de suite. Hein. Le campement de chantier, lui, était là. Ils sont tous prêts à travailler dans la zone. Soldats en position, mais on va changer la donne. 15 gardes et on va mettre 10 rangers. Pour garder la frontière. Voilà. Et puis, on va installer notre nouvelle hutte d'explorateur ici. Et attendez, il y a des voleurs, j'ai fait un misclic. On va ralentir la sauce. Il se passe des choses. Voilà. Les voleurs attaquent. Ici, on se fait attaquer. Ah oui, il y a un massacre en règle. On va
Apparemment, ça marche, notre défense, c'est opérationnel avec nos rangers. On manque pas de personnel, ça va. On va peut-être se faire ici une garnison, du coup. Voilà. Le fameux camp militaire, résidence d'unité militaire en trop. On est bon comme ça, on va stocker ici des troupes pour recharger tout de suite les défenses. Franchement, c'est plus intelligent que ce que j'ai connu dans cette classe. Au début, j'étais un peu sceptique. J'adore le jeu, j'étais fan, donc j'ai acheté le jeu. Mais finalement, la stratégie... les brigands, par exemple, il a fallu au moins 3 fois pour arriver à maîtriser les brigands. J'ai raté 3 fois ma partie. À vous de voir après. Hein. Donc ça, c'est réglé. Oh, mais il y a du gibier, là. Attends. Ne bougez pas. Voilà, on va mettre un chasseur là. Attends, on va en profiter. Alors là, nous sommes près de la faction jaune. Nous n'avons pas de marchands, d'accord. Et près de la faction rouge, nous avons 25 marchands. Les rouges nous demandent, du coup, des citrouilles. On n'en fait pas. Mais également du pain et des pioches. On va voir. On va retourner à notre port, dans la halle des guildes, et il me faudrait 25, puisqu'on a une deuxième faction. On en fait 25, ouais. On va refaire 5 foreurs, on a assez de pelles. Porteur de chantier aussi serait pas mal. On va se faire ça, des sacoches, on va aller voir le boutique de tailleur. On va en faire 60. Je suis en train de me dire qu'une deuxième boutique de tailleur serait pas du luxe. Est-ce qu'on pourrait la faire? Bon, je commence à connaître un traitement. Hop. Dis-moi. Non, tu veux pas ici? C'est à partir du lin. Mais le lin, j'en ai fait que là-bas. Faudrait pas que je l'oublie. C'est pratique ici d'avoir stocké tout le monde. Alors, comment ça se présente pour toi? Ouais, il t'en reste encore un peu. Ouais, je suis en train de me dire, après tout, on peut faire une ferme de lin ici. Ah bah oui, c'est avec la ferme céréalière. Écoute, hop, on va poser la ferme. Allez. Ça, c'est ok, il va me falloir un puits. Ça va être le plus gros problème. Ah bah écoute, au carrefour directement. Paf! Et du coup, culture de lin. Vous allez voir après. Et comme ça, maintenant, on va être tranquille, on va pas manquer de ressources. 3, 4, 5, 6, 7. Il veut pas. 7, 8, 9 non plus. 9, 10, 11, 12. 13, 14 et 15. Et là, c'est bien... là, ça va être des citrouilles. Mince. Bon, on va faire un peu de lin, un peu de citrouille. Hein. Attends, là, j'ai quoi, du coup? Lin, lin. Ici, lin, la citrouille. Ça devrait être du lin. J'y fais plus que 15 champs, on va voir comment ça se présente. Camp ennemi repéré. Ouh, alors ça par contre c'est nouveau. Mais on y est. Comment on va faire? On n'a pas d'épée en argent pour l'instant. Eh ben on va pas aller trop loin. Oh oui, d'accord. Ah, ce sont les Pagoniens jaunes de ce côté-là. C'est pas nous, ça va. Ici, on va mettre 5 gardes et 5 rangers comme d'habitude. Voilà.
Et je vois que la tour des explorateurs est bientôt faite. On va aller voir l'autre, du coup, qui est ici. On va leur dire, eh ben écoutez les gars, on détruit. On s'inquiète des porteurs. Non, on est bien. 760 habitants bientôt. Ça marche très très bien. Une seule taverne, je le rappelle. On est cool. On est bien. On commence à avoir un peu d'argent. Et ben, on va aller voir nos fonderies. Alors, comment ça se présente? On a des pièces de cuivre, on a des pièces d'argent, c'est super. Et je n'arrive pas à faire mon fabricant d'armure parce que j'ai besoin de ciment. Est-ce qu'on a du calcaire? Eh bien, on va installer la meule à pierre. Et est-ce qu'on peut la mettre en face? Puisque lui, on aura besoin... On va mettre la meule en pierre ici. Avec du stockage, s'il vous plaît. Et on va accélérer. Pendant ce temps, fabricant d'armes, s'il te plaît, tu vas me faire des épées en argent. Une trentaine. Une dizaine de lances en fer, une dizaine d'épées en fer. Et on va retourner à l'académie militaire pour voir un peu ce qu'on peut recruter. Qu'est-ce qui se passe ? 75 gardes affectés, il ne manque personne. On a des lances en fer, ça arrive, on a des épées en fer. Il va nous falloir des côtes de maille. Avec épée en fer et bouclier en bois, je pourrais faire déjà des soldats avancés. On va en faire une dizaine. Ça, c'est pas mal. Je reviens vers mes menuisiers, du coup. Tu continues encore les lances? On va calmer un peu les lances, peut-être. On va se faire d'autres boucliers, en attendant. On va aider à faire des torches. Quand ennemi repéré... Encore... Oh, là, tout ça, c'est magique, hein. Et on a découvert la chambre des négociants. Oui, bien sûr. Et eux, ils demandent quoi? C'est là mon argent, c'est ça. Est-ce qu'on a des citrouilles? On a 18 citrouilles. Alors. Là, on a bien nos 25 marchands. Et on a notre comptoir commercial. Approvisionner le hameau. Ah oui, mais il est là-bas. Ah oui, c'est pas... On peut pas. D'accord. L'autre demandera le pain. Recruter des ouvriers de construction pour les impressionner, il faut en avoir 120. Donc il manque encore une unité pour les impressionner. Ah, on va gagner en réputation, attends. On va aller dans la halle de guilde. Ah, ça manque de tout. Hein. On va se refaire une dizaine. Et on a fait forte impression. On est monté. Ce serait bien de les déverrouiller complètement, mais ça va être compliqué. On est bloqué là. Bon, là on est heureux. Baraque à argent. Est-ce que par hasard il y aura du gibier? Oh, il y a plein de trucs à chasser par là. Ce serait pas idiot. On va se faire un peu de chasse. Baraque à charbon, c'est fini. On vire. Et par contre, on a de la pierre ici, ça attendra. Je crois qu'on a tout gratté par là. Au bord du lac. Du coup, d'ailleurs, notre ferme de lin. Bah, ça marche. Il y a du blé aussi, super. Une unité à fuir devant un spectre et perdu son équipement. Tu rigoles. Ah, ils ont été mettre les bornes. Faut qu'on voit ce qu'on peut faire avec les épées en argent. Épée en fer, ce sera juste cela, mais il nous faut les côtes de maille. Il nous faudra le ciment pour faire évidemment les armures. Et les aventuriers.
Avec une épée en argent, on peut faire du coup des sans-peur. Et c'est avec des armures légères. On va en demander une trentaine. On va augmenter ça, on va refaire encore quelques trucs. Et oui, on avait dit que ça manquait. Est-ce qu'on peut, du coup, on a l'atelier de tissage qui est où? Il est juste là. Écoute, on va faire la boutique du tailleur ici. Une deuxième, ça manque. Et on va augmenter notre puissance de production. Non, tu veux pas? On va mettre un là, et un là, et un là. Toujours des petits stocks. Ça, c'est ok. Donc, on est rendu à faire des sans-peur et il nous faudrait plus d'argent. Explorons. Ah bah tiens, impeccable. Il y en a un peu là. Le reste de la montagne, c'est quoi? Calcaire. Un peu de cuivre. Et oh, on a encore de l'argent ici. Et là, on a fait quoi? Baraque à faire. Les voisins, ils viennent jusque là. Super. Écoute, on va faire aussi un peu d'argent. Une baraque à cuivre aussi. Voilà. Et du charbon. Parce qu'on va en consommer un max. Il se passe encore quelque chose. Les voleurs vous attaquent. C'est mes chasseurs, là. Un ranger a été tué. Ah, ils ont pris des bornes. On a par ici. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Ici, on est comment? On va laisser autant de gardes que tout ça. Et j'aimerais qu'on amène des troupes un peu plus expérimentées. On va vérifier un truc. Alors, fabricant d'armure, parce que aucune équipe sur place. On va voir ça après. On a stocké ici des sans-peur et des soldats avancés. Eh ben, écoute, pour nous défendre ici, on va virer nos gardes et on va mettre des soldats avancés. On va décocher ça. Voilà, j'ai décoché le simple soldat. Il va falloir décocher pour avoir les sans-peur. Ça marche. Alors, on a ici notre problème. On va aller sur le tour de garde, mais ça, c'est pas la nôtre. Nous, on a fait un camp. En fait, c'est le bord de mer. Et ils sont là. On va sur une autre garnison. Ah, on peut construire jusqu'ici, on est arrivé là. Voilà, on va demander une garnison ici et on va mettre des sans-peur. J'espère qu'on en a fait assez. Hop. Et on verra bien. Mais ça, YouTube, tu vas pleurer, ce sera dans le prochain épisode. Non, mais si. Puisque on va affronter les spectres, on va essayer de mettre avec nos lames d'argent de quoi les zigouiller. Allez YouTube, ne pleure pas. Et Twitch, je vous dis à tout de suite. On va sauvegarder. Voilà, et on va au menu pour les vignettes de YouTube. Bye bye YouTube.
Bonjour à tous, je suis Tekamon et on repart sur Pioneers of Pagonia. Pioneers of Pagonia qui est arrivé sur Steam le 13 décembre. Et on a fait tuto et aujourd'hui on affronte des monstres, on est sur la 5e